Le monde du MMA est un univers de puissance, de compétition et de combats intenses. Sur le ring, chaque seconde peut décider de la victoire ou de la défaite. Mais derrière les coups, la sueur et le sang, certains combattants ont trouvé bien plus qu'une ceinture ou un titre, ils ont trouvé la foi. Dans cette série, nous vous dévoilons l'incroyable parcours de ces guerriers modernes qui, après des années de combat, ont découvert un chemin de paix intérieure et de transformation profonde. Ils ont troqué la violence pour l'amour du Christ et leur histoire va vous surprendre. C'est parti! Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Welcome dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je me suis mis à parler anglais, mais bon. C'est sûrement parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce sport qui est en train de devenir de plus en plus populaire en France, qui est le MMA. On ne va pas juste parler de ce sport, mais on va parler des athlètes chrétiens qui y participent. Pour les personnes qui découvrent, MMA veut tout simplement dire Mixed Martial Arts. Et désolé pour la prononciation, qui pourrait se résumer en français à un mix des arts martiaux. À ne surtout pas confondre avec l'UFC qui est là la plus grande organisation du MMA. Mais il existe aussi le PFL, le Bellator, Ares, KSW et j'en passe. Si vous voulez, c'est un peu comme la WWE dans le catch. Le but de ce sport est simple. Deux combattants de la même catégorie de poids se retrouvent dans ce qu'on appelle un octogone, se battent avec la présence d'un arbitre qui est là pour faire respecter les règles, et le combat prend fin soit à la fin des différents rounds avec une décision du jury, soit lorsqu'un combattant arrive à mettre KO son adversaire. Personnellement, je me suis mis à regarder le MMA ces derniers mois, suite à la forte communication du combattant franco-camerounais Cédric Doumbé. Hey, je vous avais dit quoi ? Y'a personne qui peut me tester, poteau ! Le KO en 9 secondes face à Jordan Zebo, les différentes vidéos Real Talk, comme il le dit, qu'il a faites pour Baki, qui s'est fini sur l'épisode de l'épine. Et jusqu'à là, vous pourrez vous dire, mais Alexandre, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut consommer ce genre de contenu ? Pour certaines religions, comme l'islam, c'est considéré comme haram. Et vous, les chrétiens, dans tout ça ? Je le rappelle, en tant que chrétien, il n'y a pas vraiment de règles sur la consommation des différents sports. En fait, tout va dépendre des personnes. Si tu penses que ce n'est pas bon pour toi, alors il n'y a pas de souci, mais c'est pas une règle pour tous. Là où il ne faut pas que le curseur penche, c'est le fait d'alimenter un amour pour la violence. Parce que on le sait, en tant que chrétien, on est appelé à être des artisans de paix. Si un chrétien pratique ou regarde le MMA avec l'intention de développer son corps, sa discipline, son esprit, et non par amour de la violence, c'est ok. Comme je le disais juste un peu avant, le MMA est un sport avec des règles et un cadre. Oui, il y a des contacts physiques intenses avec des blessures possibles, mais il y a aussi une distinction entre le combat sportif et la violence gratuite que là les écritures condamnent. Et je conçois totalement que certains chrétiens peuvent être mal à l'aise avec le fait de faire du mal à autrui, même dans le cadre sportif. Et c'est pour cela qu'il n'y aura aucun jugement pour les personnes qui ne penseront pas comme moi. Mais ça, qu'on soit d'accord, c'est de la conscience personnelle à ne pas confondre avec des enseignements bibliques. J'ai découvert un verset en écrivant cette vidéo qui se retrouve dans 1 Corinthiens 9, versets 24 et 27. C'est un message de l'apôtre Paul qui va utiliser une métaphore sportive pour parler de l'engagement, de la discipline et de la persévérance qui sont nécessaires dans le domaine de la vie chrétienne. Et c'était dans le contexte de l'époque où les courses et les combats étaient bien connus dans les jeux athlétiques. Il est dit, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privatisations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. En fait, là, Paul, il est en train d'encourager les chrétiens à vivre leur foi avec sérieux, comme des athlètes qui vont préparer des Jeux Olympiques. Et là sera ma conclusion pour cette explication. Un chrétien a le droit de se divertir, en l'occurrence avec le sport, mais combien même si nous sommes prêts à faire ou à regarder quelque chose qui n'est que vanité, combien même nous devons le faire pour rester sur le chemin de la foi et chercher la face de Dieu. Les explications sont terminées et c'est parti pour cette vidéo. Vitor Belfort est l'un des pionniers et des combattants les plus respectés des arts martiaux mixtes. Sa carrière est marquée par des succès spectaculaires, une longévité rare dans le sport et des contributions importantes à l'évolution du MMA. Il a commencé sa carrière en 1996 à l'âge de 19 ans où il se fait rapidement remarquer pour sa vitesse et sa puissance exceptionnelle, remportant ses premiers combats par KO en quelques secondes. Here's a look at Vitor Belfort. His discipline is Valley Tudo, trained by Carlson Gracie.
Étant très prometteur, il entre dans l'industrie la plus populaire de ce sport qui est l'UFC seulement un an après avoir démarré sa carrière professionnelle. Et à peine arrivé, celui qu'on appelle dorénavant The Phenom remporte le tournoi des poids lourds à l'UFC 12, ce qui vient confirmer son énorme potentiel et ses performances explosives. Je ne vais pas aller plus loin parce que sa carrière est juste stratosphérique. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter sa page Wikipédia. Vitor connaissait Dieu depuis son enfance car il a été éduqué dans une famille chrétienne. Lors de son premier combat officiel, il promit de servir Dieu fidèlement, si Dieu lui permettait de gagner. Une fois victorieux, il oublia rapidement sa promesse. Dès que j'ai gagné le championnat, je n'ai pas suivi Dieu tout de suite. Un jour, alors qu'il roulait dans sa voiture de luxe, il aperçut un homme qui se déplaçait. Il fut tellement frappé par ce mendiant qu'il engagea la conversation avec lui. Beaucoup de gens qui passent par ici pensent que je ne vaux rien parce que je n'ai pas de jambes, mais je peux te garantir, Vitor, que je suis plus heureux que beaucoup de gens qui passent par ici dans leur grosse voiture. J'ai Jésus et Jésus peut transformer ta vie. À ce moment-là, le combattant brésilien a totalement été touché par ces quelques mots et a entendu Dieu parler à son cœur. Mais malheureusement, cette rencontre n'a pas suivi pour que celui-ci suive Dieu. Arrive dans les années 2000 un événement dramatique qui va bouleverser la vie de notre combattant. En janvier 2004, à Rio de Janeiro, Vitor va apprendre la disparition de sa sœur aînée, Priscilla, qui a été enlevée et sa famille n'a rien su d'elle pendant 3 ans. Cette perte dévastatrice a plongé Vitor et sa famille dans une douleur immense. Il a souvent parlé de cet événement comme l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie, le poussant à se tourner vers Dieu pour trouver un sens à la tragédie et obtenir de la force face à l'incertitude et à la souffrance. Il y a deux façons d'atteindre Dieu, par la douleur ou par l'amour. La mienne, c'était par la douleur. Cet événement tragique a été un catalyseur important pour sa conversion au christianisme. Avant cette disparition, Vitor n'était pas aussi engagé dans la foi. Cependant, à mesure que la douleur devenait insoutenable, il a commencé à chercher du réconfort dans la prière et dans les enseignements bibliques, trouvant dans le christianisme une source de guérison émotionnelle. Il a souvent expliqué que sa foi l'a aidé à pardonner et à faire face à cette perte, même si les questions entourant la disparition de sa sœur demeurant sans réponse. J'ai commencé à prier, j'ai allumé un feu puissant avec Dieu et il a parlé à mon cœur en me disant « Mon fils, peu importe ce que tu penses ou comment tu conçois ta vie, ta sœur m'appartient. » Ces quelques mots que Dieu a déposés sur le cœur de notre combattant ont suffi pour le libérer de cette période ténébreuse qu'il traversait. Sa foi a commencé à se manifester dans son comportement quotidien, que ce soit à la maison ou sur le ring. Elle a eu un impact direct sur son approche du sport. Il a considéré sa carrière de combattant comme une mission où il cherche à être un exemple pour les autres et à utiliser sa plateforme pour partager son témoignage de foi. Belfort a déclaré que la discipline, la persévérance et la maîtrise de soi qu'il a développée en tant qu'athlète sont renforcés par sa foi chrétienne. Il voit chaque combat comme une opportunité de glorifier Dieu, peu importe le résultat. Tu vas perdre, tu vas gagner, ne t'inquiète pas, l'essentiel est d'être un vainqueur. En dehors du MMA, Vitor est également actif dans le monde chrétien. Il a souvent participé à des événements chrétiens et a partagé son témoignage dans des églises et des conférences à travers le monde. Dans ces contextes, il parle de l'importance de vivre selon les enseignements de la Bible, de la prière et de la confiance en Dieu. Sa femme, Juana Prado, a également joué un rôle dans son cheminement spirituel. Ils sont mariés depuis 2003 et ont 3 enfants qu'ils élèvent avec les valeurs chrétiennes. Il a souvent décrit la prière et la lecture de la Bible comme des piliers de leur mariage. La vie de Vitor est un témoignage pour nous montrer que Dieu est capable de nous relever même quand nous sommes au plus bas, et voici le constat qu'il a fait de son histoire. Je pense que la clé de la vie est simplement d'être heureux avec ce qui est devant vous, et la décision de ma vie est sous la responsabilité de Dieu, et Dieu sait ce qui est le mieux pour moi. On lui demande des coudes dans son coin. Benoît Saint-Denis, un combattant français de MMA né le 18 décembre 1995 à Nîmes, son parcours est marqué par un engagement militaire avant de se lancer dans une carrière professionnelle de combattant. À 18 ans, Saint-Denis s'engage dans l'armée de terre française. Il intègre les forces spéciales au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Bayonne. Pendant 5 ans, il participe à des missions de combat contre des groupes terroristes au Sahel, ce qui lui vaut d'être décoré de la médaille de reconnaissance de la nation et de la croix du combattant en 2017. Alors qu'il
qu'il est encore militaire, Saint-Denis commence à pratiquer le jiu-jitsu brésilien et remporte le championnat de France dans sa catégorie. Il s'initie ensuite à la boxe et au pied-point, puis au MMA. En 2019, il quitte l'armée pour se consacrer pleinement à une carrière de combattant professionnel. La foi chrétienne occupe une place importante dans la vie et l'identité de Benoît Saint-Denis. Cela se reflète notamment dans ses tatouages. Il arbore la croix de l'ordre du temple sur le pectoral gauche. Autour de ce symbole, on peut lire une devise en latin qui se traduit par « Sceau de la milice du Christ et du temple de Salomon ». Dans son dos, Saint-Denis porte un tatouage représentant Jeanne d'Arc, figure emblématique de l'engagement chevaleresque. Ses choix esthétiques témoignent une passion pour l'histoire des chevaliers et d'un attachement aux valeurs chrétiennes. Son surnom, God of War, dieu de la guerre, qu'il utilise dans le milieu du MMA, renforce cette image de combattant guidé par sa foi. Saint-Denis puise dans ses convictions religieuses et son passé militaire une force mentale et une résilience qui le caractérisent sur le ring. Son parcours atypique alliant engagement militaire, foi chrétienne et carrière sportive de haut niveau ont fait une figure unique dans le monde du MMA français et international. C'est de ses parents qu'il reçoit une solide éducation catholique. Nous allions à la messe les dimanches et à toutes les fêtes importantes dans la vie de l'église. La foi a toujours fait partie de mon quotidien. Elle a toujours été omniprésente. Le scoutisme m'a aussi suivi presque toute ma jeunesse, c'est un peu l'école de la débrouille. On y enseigne des valeurs fortes de savoir-vivre, on y apprend la vie en collectif. Il y règne un esprit de camaraderie que j'ai retrouvé dans l'armée plus tard. Il a expliqué il y a quelque temps dans une interview qu'il a accordée à Zach Nani que c'est seulement après la vingtaine qu'il s'est intéressé de lui-même à sa foi chrétienne. Moi en fait la foi je l'ai un peu redécouvert à la, on va dire après la vingtaine. Et donc tu suis un peu la religion plus par tradition. C'est pour ça que moi je dis aux jeunes de faut pas lâcher en fait, que ce soit l'école ou la religion ou les choses dans lesquelles on a impliqué, sa famille est impliquée. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison derrière en fait. Mmh. Et moi c'est vers un peu après la 20 ans où j'ai commencé par contre à plus me réintéresser, relire la Bible. Je suis chrétien, je suis de religion catholique. Aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui m'aide pleinement, qui fait mon bonheur, qui fait le bonheur de notre vie de famille. Benoît Saint-Denis partage sa foi avec son épouse Laura, avec laquelle il s'est marié le 27 août 2022. Il ne s'en cache pas, son mariage et son couple constituent l'accomplissement dont il est le plus fier. Bénéficier d'un mariage chrétien et s'unir l'un à l'autre devant Dieu est infiniment plus fort à mes yeux. Je suis catholique, je suis fier de le dire, tout comme j'ai des copains musulmans qui sont fiers de le dire et des copains juifs qui sont fiers de le dire. Moi, je suis catholique, croyant, c'est quelque chose qui est important pour moi dans ma vie. Je me suis marié à l'église parce que pour moi, c'est bien plus important que la mairie. Benoît explique qu'en tant que chrétien, il essaye forcément de se rapprocher du Christ et qu'il essaie de prier régulièrement de son côté et qu'en l'occurrence, avant une échéance importante, il aime prendre un temps de ressourcement à l'église. Et si vous vous demandez quelle est l'histoire qui a le plus touché notre combattant dans la Bible, voici ce qu'il a dit à ce propos. J'aime beaucoup l'évangile du bon samaritain. À chaque fois que j'entends ce passage, je suis touché. Dans la même veine, la figure de Saint Martin qui donne un bout de son manteau aux pauvres me parle énormément, avec cette idée d'être proche du plus petit. On le voit bien avec tout ce que j'ai pu vous citer, que Benoît est attaché à sa foi chrétienne. Et c'est même pour cela qu'il a osé prendre la parole lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où il a exprimé son mécontentement. La plus belle photo de cette cérémonie d'ouverture, déçu de l'affront et de l'humiliation que la chrétienté a subie. Les Jeux sont un moment de fraternité. Maintenant, place au sport. Force à tous nos Français. Suite à sa récente défaite face au combattant Renato Moicano, celui-ci a fait un post sur son Instagram pour expliquer la dureté de ce sport et en finissant ceci par une leçon biblique. Ce n'était pas mon jour. Ce sport est dur, mais incroyable. Merci à tous pour votre soutien indéfectible. Fier d'avoir pu représenter la France dans l'octogone à la maison. Respect à mon adversaire de m'avoir affronté à la maison et félicitations à lui. Dieu met des épreuves sur notre chemin et celle-là n'est rien comparé à ce que j'ai pu vivre. John Jones est l'un des combattants les plus accomplis de l'histoire du MMA. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2008, remportant ses 6 premiers combats en seulement 3 mois. En 2011, à l'âge de 23 ans, il est devenu le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC en remportant le titre des poids mi-lourds. Jones a ensuite établi un record de 10 défenses de titre dans cette catégorie. Sa carrière est marquée par des victoires contre les légendes du sport comme Mauricio Rua, Quinton Jackson, Lyoto Machida et Vitor Belfort. Son combat contre Alexander Gustafsson en 2013 est considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du MMA. Wow! What a fight! Unbelievable!
Jones a maintenu la plus longue série d'invincibilité de l'histoire de l'UFC avec 19 combats consécutifs sans défaite jusqu'en 2023. Cette année-là, après une absence de 3 ans, il est revenu pour remporter le titre des poids lourds de l'UFC en battant Cyril Gann par soumission. Si le célèbre combattant de MMA a sa place dans cette vidéo, c'est parce que, plus d'une fois, il a évoqué sa foi chrétienne au cours de sa carrière. Jones a fréquemment fait référence à Dieu et à sa foi chrétienne dans ses interviews et sur ses réseaux sociaux. Il a souvent attribué ses succès dans l'octogone à sa relation avec Dieu, exprimant sa gratitude pour ses talents et ses victoires. I gotta give thanks to my Lord and Savior, Jesus Christ. L'un des signes les plus visibles de la foi de Jones est le tatouage Philippiens 4:13 sur sa poitrine. Ce verset biblique le dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », ce qui reflète sa croyance en la force que lui procure sa foi. Malgré les déclarations sur sa foi, la carrière de Jones a été marquée par des controverses, notamment des problèmes avec la justice et des violations des règles d'antidopage. Cependant, il a souvent parlé de rédemption et de seconde chance, des thèmes centraux dans la foi chrétienne. Yeah, but that's the thing, you know, Christians are not perfect people, we're just people, you know what I mean? We just believe that, you know, that there's a Jesus Christ. We believe that he loves us and that, you know, no matter what we do, his doors are always open for us, you know, no matter how far away we stray from him at times, his doors are always open for us. And at the end of the day, you know, a Christian is not someone that does everything right. Christians are ultimately sinners, you know, who recognize that they're sinners and they try to do things a little bit better. But perfect. By any means, I never claimed to be. Ce n'est pas un secret pour les personnes qui connaissent Jones, sa foi a été mise à l'épreuve plus d'une fois et malgré cela, il est resté attaché à ses croyances. Il y a quelques mois maintenant, un youtubeur nommé Mapalo a sorti une vidéo qui est intitulée « John Jones donne sa vie à Jésus ». Et dedans, on y voit le combattant de l'UFC qui fait la prière de repentance, un nouveau départ pour notre Américain. This is it again. His first two times in the Bellator cage, Justin Wren was feeling his way. Justin Wren est un nom qui résonne dans le monde du MMA, un combattant redoutable connu pour son courage et sa détermination dans la cage. Il s'est forgé une solide réputation, participant à des compétitions prestigieuses comme The Ultimate Fighter et se battant contre certains des adversaires les plus redoutables. Il a remporté plusieurs combats avec sa force brute, sa technique de lutte inégalée et une détermination à toute épreuve. Mais au-delà des projecteurs et de la gloire, une autre bataille se jouait à l'intérieur de lui. Derrière cette apparence de guerrier, se cache une histoire beaucoup plus profonde, celle d'un homme transformé par la foi chrétienne. Né le 27 avril 1987 à Greenville au Mississippi, notre combattant a été victime en grandissant d'intimidations assez graves, notamment à cause de son poids et l'apparition de boutons sur le visage. Alors que les autres enfants n'étaient pas gentils avec lui, à 13 ans, celui-ci a été diagnostiqué d'une dépression clinique et a lutté contre des pensées suicidaires. Justin dit avoir eu le soutien de sa famille qui était une famille aimante et qui faisait tout pour l'aider à améliorer son estime de soi. Ils l'ont même encouragé à faire du sport et c'est par ce biais qu'il s'est lancé sur la trajectoire du combat en cage professionnelle. Il se lance au lycée en rejoignant une équipe de lutte où il est devenu plus grand et plus fort et a remporté au niveau national le championnat. Justin Wren a débuté sa carrière en MMA à un très jeune âge, gravissant rapidement les échelons pour devenir une figure respectée dans l'octogone. Combat après combat, il a prouvé sa force physique et mentale, mais malgré ses victoires, Justin n'a pas toujours trouvé la paix intérieure et a même sombré dans des addiction suite à une déchirure du ligament collatéral ulnaire qui l'a poussé à prendre des analgésiques où il est devenu accro immédiatement. La prise de ces médicaments ont non seulement atténué ses douleurs physiques mais aussi sa douleur émotionnelle. Alors pour lui, tous les problèmes lui semblaient réglés. Après un retour dans la cage et l'enchaînement de victoires l'a fait monter en popularité. C'est alors qu'il s'est laissé entraîner dans le style de vie des combattants qui peut être dangereux. Car au fur et à mesure que sa carrière explosait, ses addictions faisaient de même. En peu de temps, il a ajouté de la cocaïne et de l'alcool et sa dépendance aux stupéfiants était déjà hors de contrôle. I felt all alone. I did such a good job at hiding my depression that absolutely nobody knew. From reporters saying he's the next big thing to my parents being so proud of me. Nobody in this world knew how worthless I felt.
Dans une interview, Justin a partagé son combat personnel en disant « Je me sentais comme un perdant, même après des victoires. Rien ne semblait pouvoir remplir ce vide en moi. J'étais seul, désespéré, à la recherche d'une véritable raison de vivre. » Sa vie touche le fond quand il a été viré d'une des meilleures équipes de boxe du monde pour usage de drogue. Il a expliqué que c'était un rêve d'enfant qui s'est transformé en cauchemar. Tout le monde le considérait comme irrécupérable, mais un ami du nom de Jeff a refusé de le laisser tomber et l'a invité à plusieurs reprises à une retraite chrétienne. Il va accepter de le suivre pour cette retraite, mais il n'est pas convaincu car il s'attendait à voir des hommes mous. Mais en réalité, il va voir des hommes déterminés et vrais, et il a envié cette paix qu'ils avaient. Après quelques jours passés à la retraite spirituelle, il va faire cette prière à Dieu. Giving my life to Christ, praying, just saying, God, I cannot do this without you. I am jacked up and I can't save myself and I need you. And my heart was finally at rest. And I finally had not a happiness that was temporary, but a joy that I knew was there to stay. That worthlessness was taken away and worth and value and who God is, who Jesus is, and who he made me to be was instantly put there. That Jesus set me free spiritually, set me free emotionally, and set me free physically from those drugs. It was all God. Une prière à la fois simple mais qui va être remplie de sincérité et qui ne va pas laisser insensible son créateur. Il raconte qu'à partir de ce moment-là, il a ressenti un amour et une paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. C'était comme si Dieu me disait qu'il m'aimait tel que j'étais, malgré mes échecs et mes luttes. Les choses ont commencé à changer instantanément. Celui-ci a dit qu'il a senti Dieu le relever et que toutes les chaînes étaient tombées sur le côté émotionnel de la dépression. Il a réussi à jeter le reste de sa drogue dans le feu de camp et miraculeusement, il n'avait plus de désir de consommation. Sa conversion n'a pas changé seulement son cœur, mais aussi la direction de sa vie. En 2011, lors d'un voyage missionnaire, il a découvert le peuple des Pygmées, en République démocratique du Congo. Touché par leur situation de pauvreté extrême, Justin a décidé de consacrer sa vie à aider des communautés à travers son projet Fight for the Forgotten. Je ne pouvais pas rester indifférent. Je me suis senti appelé par Dieu à défendre ceux qui n'ont pas de voix. Pour lui, la foi n'est pas seulement personnel, c'est un appel à agir et à aimer comme Christ l'a fait. Dans l'octogone, Justin est un champion, mais c'est en dehors de la cage, en servant les autres et en vivant sa foi qu'il a véritablement trouvé sa plus grande victoire. Son parcours nous montre une chose, c'est que peu importe combien de combats nous menons, la véritable paix ne se trouve que dans la foi et dans l'amour. Justin est maintenant un combattant pour Christ. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous remercie dans un premier temps de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et de la partager à quelqu'un qui, pourquoi pas, aime les sports de combat. Si vous avez des idées de sujets qu'on peut explorer, et ben alors je suis à votre écoute, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire aussi. En attendant, je vous dis à très vite, c'était Alexandre, bye bye.